a teenage wedding and the old folks wished him well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. Ah, le mois de juillet, le soleil, les petites routes et peut-être des pin-ups faisant de l'autostop. Avec mon ami Gérard et son éternel Peugeot 203, direction plein sud pour un rendez-vous particulier. Alors Gérard, ça roule ? Impeccable, elle marche bien cette voiture. Je l'aime. D'ailleurs, on est des vieux mariés depuis 40 ans. Ah oui. Voilà, et là, on s'en va à un salon, à une rencontre spéciale, c'est Château. Château de la Garde, oui. Voilà, où il va y avoir une concentration par Castel Vintage d'un tas de voitures. Ah, mais Castel Vintage, je connais, c'est Castel Modari, ça. C'est ça, exactement. Ah, c'est un club extraordinaire, n'est-ce pas? Tout à fait, oui. Ils sont dynamiques, ils sont sportifs. C'est ça. Ils ont tout pour plaire, on va dire. Ils ont beaucoup d'adhérents. C'est vrai. Bienvenue l'Ariège. Merci. You're welcome. Bonjour Jérôme. Bonjour Christian, bonjour à tous. Bilan très positif, malgré le temps.
Mais merci à toutes les personnes présentes. On n'est pas loin, comme l'année dernière, des 300 voitures. Donc c'est encore une journée réussie. Cette année est une nouvelle édition, c'est la quatrième édition. Et on s'aperçoit que chaque année, ça monte un petit peu en puissance, du moins au niveau catégorie de véhicules. On a quand même des bijoux, n'est-ce pas ? Oui, les gens ont sorti des vraies perles, certaines Mercedes, certaines vieilles voitures des années 1900. Actuellement, on va dire que ce résultat est grâce à toutes les personnes qui viennent nous voir. Donc, en espérant que l'année prochaine, pour les 5 ans, on fera mieux. Donc, je vous donne rendez-vous pour la 5e édition. Et je remercie aussi Lionel, qui est vraiment le bras droit là-dedans, pour vraiment nous aider à organiser, grâce à lui, au Château de la Garde, chaque année, ce rassemblement. Alors, le Château de la Garde, c'est quand même un monument historique, malgré qu'actuellement, il chercherait à trouver un nouveau propriétaire. Franchement, le lieu est vraiment très beau. Hormis quand il y a des voitures, si vous voulez venir le voir, n'hésitez pas à venir. C'est vraiment un joyau. Christian, sur ses vidéos, je pense, le démontre assez. Donc, ça serait un peu bête que ce patrimoine tombe à l'eau et qu'il n'y ait personne pour s'en occuper dans les années à venir. Merci à vous, je remercie Christian et je vous donne rendez-vous à la 5e édition. Bonne journée à vous. Il y a le petit chapeau et le petit gobelet qui va bien. Merci à vous de venir. Castel Vintage roule dans son rythme du passé. Sous le ciel étoilé, la fête est notre complice. Chromes étincelants, moteurs qui chantent au Kélès. Jean-Marc Poulain, bonjour. Alors, vous m'avez permis de rouler à bord de ce véhicule extraordinaire. Et quel est donc ce véhicule, justement ? Bonjour. Il s'agit d'une Dodge Brothers de 1919. Donc, c'est une voiture américaine, mais qui est arrivée en France dans les années 20 et qui a passé toute sa vie en France, qui a fait l'objet d'une restauration et qui, aujourd'hui, fait le bonheur de moi et de mes enfants et... avec lequel on s'amuse beaucoup. Et vous avez pu voir que Lionel avait plaisir et avait la banane lorsqu'il était au volant de cette voiture, qui est très facile à conduire. Alors, facile, peut-être, mais j'ai vu que pour passer les vitesses, il faut s'arrêter. Une fois qu'on a passé la première, on s'arrête et on passe la seconde. Ça, c'est assez original, ça. Oui. Et alors, oui, mais reste très facile parce qu'elle est très souple, puisqu'on peut arriver à repartir presque en seconde. Et après, avec la troisième, on dépasse le 60 km/h, qui est une vitesse de croisière. Hein, c'est pas, mais qu'elle tient et avec un très bon rythme. Et en étant après très souple, très docile et en freinant très bien. Êtes-vous collectionneur ? Et d'abord, comment est arrivée cette voiture entre vos mains ? Le hasard. Alors après, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rencontres, peut-être. Mais le hasard. Oui, je suis collectionneur depuis des décennies. Et ce genre de voiture... assez particulière, m'a toujours attiré. Ce qui m'attire, c'est la conception, l'originalité, la mécanique, la carrosserie un peu désuète de forme. Voilà. Et ce qui compte aussi, c'est le fait de pouvoir s'amuser avec. Donc qu'elle soit aussi accessible et qu'on puisse quand même l'insérer, des fois dans la circulation, sur nos routes ariégeoises. Et c'est vrai qu'on peut faire de très belles balades avec cette voiture. Je préfère m'amuser tout seul dans mon coin le dimanche matin. Parce que c'est plus authentique. Quelquefois, il m'arrive avec quelques amis de faire des petites balades à 2-3. En fait, j'aime pas la foule et j'ai du mal lorsqu'on est un groupe de 50-60 à se suivre sur il faut aller de tel point à tel point. Très vite, moi, ça se transforme en contrainte. Or,
je fais en plaisir par rapport et autour de la voiture. Qu'est-ce qu'elle deviendra ? C'est une transmission de père en fils Alors c'est parti pour, parce que mes filles qui ont le permis depuis peu adorent se balader avec le A derrière. Et ce sont eux qui, pas qui s'intéressent le plus, mais un des moteurs d'être collectionneur en soi, ça rime à rien. Ce qui amène, c'est la transmission, c'est la courroie de transmission. Et donc c'est de faire connaître aux autres pourquoi est-ce qu'elle m'attire, pourquoi est-ce qu'elle elle m'émeut. Je le transmets à mes enfants. Donc qu'est-ce qu'elle va le devenir ? J'espère vraiment que cette voiture restera et que mes enfants comprendront à travers elle pourquoi je suis le samedi et le dimanche en train de travailler sur mes vieilles voitures. Je suis ariégeois, je suis né à la Bonnée. Et voilà, je suis du petit village Bessé. Monsieur. Propriétaire d'un combi. Oui, c'est bien ça, un combi. Quelle année ? Année 75. 75. Mm. Il est dans son jus ou il a été transformé ? Alors, il a été comme rénové. Non, c'était un utilitaire. Il a été donc complètement aménagé sur l'arrière pour pouvoir cuisiner. Cuisiner. Cuisiné. Ah, voilà, petit évier. Oui, oui, voilà, avec l'eau. Avec l'eau qui coule. Ah, il y a de l'eau même. Il y a de l'eau même. Ah, c'est formidable. Vous passez beaucoup de temps dans votre combi ? Ah, le plus de temps que je peux, mais je travaille, donc c'est pas facile. Mais c'est quelque chose d'intemporel. Ah oui, complètement intemporel. Et ah, plus les années passent, et plus ce côté-là fait fureur, même auprès des jeunes. Mais c'est ce que je remarque. En fait, quand je suis sur la route, il y a des jeunes avec leurs parents qui sont là, « Ah, maman, maman !» Et puis ils me font des signes. Et des personnes plus âgées qui se retrouvent un petit peu dans leur histoire. Les jeunes connaissent aussi parce que c'est dans un dessin animé de Scooby-Doo, je crois. Oui. Il y avait le combi comme voilà. ça. Voilà. Alors souvent, ils sont là, « Oh, Scooby-Doo, oui, Scooby-Doo, Scooby-Doo !» Alors que moi, non, c'est pas... C'est pas vous, Scooby-Doo. Non, c'est pas Scooby-Doo. Et vous venez d'où ? Moi, il s'appelle Gaston. Vous venez d'où ? Aigues-Vives. Alors, Aigues-Vives, mais en Haute-Garonne. Oui. To return in front of the castle? I think. Yes? No. Oh yes, I see the road. Yeah. Oui, parce que nous sommes dans une Jeep et forcément on est obligé de parler anglais parce que le chauffeur c'est Mr. Martin et c'est un anglais hein, d'origine. Et derrière nous avons le sous-pilote. Mais alors sous-pilote. Hein. Je suis pas sous. Bah, c'est le mécanicien de bord quoi, voilà. L'association Perle Castel et Castel Vintage ont une fois de plus réussi leur pari. De belles voitures et motos, des trésors de collectionneurs qui apportent un vent nouveau et nous font rêver. La technologie d'antan reste une source inépuisable pour les générations. Voilà ce modeste présent de la part de l'association Perle Castel et de Castel Vintage. Merci beaucoup.